Nous commençons l'aventure de l'exploration de la Terre Sainte avec nos cinq sens. Commençons ici au désert de Judée, un paysage aride et sec qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons au Moyen-Orient à la Terre Sainte. Néanmoins, nous allons découvrir les couleurs, la diversité de cette terre qui laisse des traces dans notre histoire et dans nos cœurs. Les yeux sont les organes responsables du sens de la vue. Spirituellement, ils sont la fenêtre de l'âme. Aucun endroit ne pourrait être meilleur que la Terre Sainte pour expérimenter ce sens. Les paysages, avec leur beauté typique, nous font connaître ce que Jésus a vu de ses yeux quand il est venu ici. La Terre Sainte est située entre le Jourdain et la mer Méditerranée. La zone s'étend entre les territoires d'Israël, de la Cisjordanie, de la Jordanie et de la Palestine. De nombreux événements de l'histoire du peuple juif et du christianisme se sont déroulés dans ces régions situées en Israël, dont la superficie totale est de 27 800 km². Il est facile de regarder le désert et d'imaginer la marche du peuple juif pendant 40 ans. Les zones désertiques se trouvent principalement dans le sud du pays. En avançant par exemple dans le désert de Judée, nous arrivons à Jéricho. La ville de Palestine est située à 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Baigné par la mer Méditerranée, Israël fait pétiller les yeux devant la beauté des plages de Haïfa, de Tel Aviv, le plus grand centre économique du pays, et de Jaffa. Dans cette dernière ont eu lieu plusieurs événements bibliques, dont certains avec Pierre. Des récits de la vie de l'apôtre sont enregistrés dans l'église Saint-Pierre et dans la vieille ville de Jaffa, dont le port est considéré comme le plus ancien du monde. Ici a été débarqué le bois de cèdre du Liban, utilisé dans la construction du temple à l'époque de Salomon et de Zorobabel. Au nord se trouvent les montagnes, comme les chaînes du Mont Carmel. Les ruisseaux qui accompagnent la chaîne de montagnes gardent la région verte presque toute l'année. Entre les montagnes de Galilée et de Samarie, la vallée de Jezréel, la région la plus agricole d'Israël. La vue que vous avez du mont du Précipice à Nazareth, de la ville historique de Megiddo ou du mont Tabor, atteste de cette fertilité. L'agriculture en Israël est l'un des aspects économiques les plus développés. Bien que plus de la moitié du pays soit désertique, le système d'irrigation est l'un des plus avancés au monde. Il est bon pour nous d'être ici, a déclaré Pierre lors de la transfiguration de Jésus durant son expérience sur le mont Tabor. Même aujourd'hui, ces paroles peuvent être prononcées par ceux qui contemplent cet endroit. Por eso, para quien viene, que viene con su... Celui qui arrive en Terre Sainte en tant que pèlerin fait l'ascension et arrive avec ses problèmes, ses difficultés, ses soucis et tout ce à quoi il ne sait pas comment faire face. Il est appelé par le mont Tabor à se rapprocher de Jésus. « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » L'expérience du pèlerinage consiste avant tout à écouter Dieu dans sa vie. Jésus enseigne aux apôtres qu'il y a avant tout Dieu et qu'il est le seul à pouvoir donner la réponse définitive à tout. Y justamente Jesús les enseña a los apóstoles que por encima de todo está Dios y que es Dios el único que puede darnos la respuesta definitiva a cada cosa. La montagne dans les Saintes Écritures est toujours un lieu de révélation de Dieu, comme ce fut le cas avec Moïse sur l'Horeb et ici sur le mont Tabor, où Jésus se transfigure auprès des disciples qui proclament qu'il est agréable d'être là. Mais maintenant, il est temps de descendre et d'explorer de nouveaux chemins, de nouveaux paysages. Jérusalem est la ville emblématique de la Terre Sainte, où l'on peut apercevoir le défilé des différences entre les rues de la vieille ville. Depuis le mont des Oliviers, le somptueux dôme doré du dôme du rocher, le lieu le plus important pour les musulmans. Il y avait l'ancien temple de Jérusalem, et juste à côté se trouve le mur des Lamentations, une partie du temple qui a été préservée et qui appartient aux Juifs. Un pays rempli de sens et de signification. Le sens de la vue explore chaque recoin de cet endroit. Cependant, le sens le plus grand est celui qui nous fait faire l'expérience du sein de la terre.